par rapport aux approches avec les agriculteurs, par rapport à quel serait le plus efficace pour aller chercher des mandats, parce que je pense que c'était ça, le but de l'opération, c'est d'aller chercher des mandats des agriculteurs pour ça aussi, parce que là, il y a une étape que tu as dit, c'est la première étape, c'est l'étape de la conférence, si on peut dire. Il y a une étape où il y a eu de la documentation, de l'information, mais l'étape que j'appelle la finalisation de la signature du contrat de mandat de représentation, est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Les mandats, nous, ce qu'on demande, c'est 5 copies chaque. Il y en a une que c'est 4, puis l'autre c'est 5, mais pour faire ça 5, on demande 5 pour les deux. Parce qu'à un moment donné, on se perd, puis là, il va manquer des copies, fait qu'on demande 5 copies chaque. Quoi qu'on demande 5 copies, oui, 5 copies du mandat et de la revendication, on demande 5 parce qu'on en a une qu'on envoie à Trans-Canada, là, je donne les mots, là, une à Trans-Canada, une à la MSC, une au maire, une pour nos nés. Je pense que la cinquième, c'est pour le bac. Mmh. C'est pour ça qu'on en demande 5 copies. Fait que, parce qu'avec une signature originale, ça a plus de poids qu'une photocopie. Fait qu'on voulait mettre toutes les chances de notre côté. Fait qu'on demande 5 copies signature originale de chaque. Le celle du bureau d'audience, du BAP puis de l'ONE, c'est le mandat de représentation. Donc, pour nous donner la permission de parler en votre nom auprès de l'ONE. 5 de chaque pour cela. Puis l'autre, la revendication, c'est juste pour donner plus de poids parce qu'un mandat, c'est comme un document juridique pour dire, pour nous donner comme, je me répète, pour donner le mandat, mais ça a un certain côté neutre, tu sais, c'est pas clair qu'on est contre. Donc avec la revendication, tu sais, on le sait parce qu'on lit entre les lignes, mais c'est pas, point de vue juridique, il pourrait y avoir un chose, juste pour être sûr, pour donner plus de poids à la demande de mandat, on demande une signature, on demande 5 signatures de la revendication qui dit comme quoi que nous, on veut pas que ça passe chez nous. Puis que c'est un nom. Pour faire signer une, on peut faire Non, 5 signatures. 5 copies, puis on le signe 5 fois. Parce que moi, j'ai misère à l'envoyer sur la Oui, mais quand il va signer, moi, d'après moi, il va dire, OK, c'est correct. Oui, quand il dit, OK, c'est quoi que je signe, oui, là, il est mort. Par 5 copies. OK, 5 copies. Puis là, il va le signer. Ah, c'est quoi mon numéro de lot? OK, attends, ben regarde, je vais te revenir avec mes numéros de lot. Parce qu'il faut avoir tous les numéros de lot sur lesquels ça passe. Puis si vous avez les lots de lot, les numéros de lot révisés. Merci. Ah oui, je sais. Oui, parce qu'il y a eu les rénovations de cadastre, là. Donc, si vous avez des numéros de lot révisés, c'est encore mieux parce que... Il y en a qui vont dire qu'ils préparent le train. J'avais fait faire ça au train, mais c'est parce que le projet énergiel va amener plus de trains. Ça, il ne faut pas se le cacher. Là. La capacité d'exportation du projet énergiel, et au Nouveau-Brunswick et au Québec, la capacité d'exportation des bateaux là, excède la capacité du pipeline. Ça, quand je n'ai pas les chiffres dans la tête, là, parce que il y a la question des diluants qui peut intervenir par l'orage, justement. Oui. Ben moi, je donne la comparaison du lac mégantique. Un lac mégantique à l'heure sur votre propriété. C'est ça que ça coûte. Par train ou par pipeline? Par pipeline. Par pipeline, pour faire circuler un train de lac mégantique à l'heure sur votre propriété. Le train est toute la catastrophe. La quantité qui a explosé le lac mégantique va passer sur votre carrière tous les heures. 24 heures par jour. Puis moi, dans mon coin, moi, chez nous, là, j'ai le train, j'ai ensuite de ça, j'ai une ligne Hydro-Québec, puis ensuite de ça, j'ai le pipeline. Fait que moi, je suis équipée. Parce que le Hydro-Québec, ben, je voulais en mentionner tantôt, là, mais parce qu'il y a des changements de tracé, mais moi, dans mon coin, on n'en a pas parlé, on n'en a pas entendu, mais le fait une cohabitation entre une ligne Hydro-Québec et un tuyau pipeline, s'il n'y a pas de cathode qui a été mis ou si les mesures préventives ne sont pas faites, ça vient vieillir prématurément le pipeline. Comme celui de pipeline Saint-Laurent, Saint-Agapit et Lévis, après une année de service parce qu'ils n'ont pas mis de cathode, ça a vieilli prématurément de 10 ans le pipeline dans cette section-là. Je ne pense pas qu'ils vont arrêter le pipeline après 30 ans d'année de service pour cette section.
section-là, puis je pense pas qu'ils vont recreuser pour ça. Là, on augmente la production de produits fumés pour le 10 bits, puis on le ramène, si ça parle. Oui. Fait qu'il y a... L'augmentation sur, quand tu dis sur, c'est quoi la commune? Il y a le... J'ai plus exactement les chiffres, parce que les chiffres vont changer. Juste à Kakuna, là, de ce que je vais y aller de mémoire, okay, mais de Kakuna, je pense que la capacité d'exportation en moyenne par semaine est à peu près à... J'ai dit par semaine, mais... Il restait à peu près 1 million 5. Il n'en restait pas beaucoup pour le Nouveau-Brunswick. En fait, le port de Nouveau-Brunswick, là, si on y allait juste avec le pipeline d'énergie S, le port de Nouveau-Brunswick exportait à peu près la moitié moins que le port de Québec. Moi, je pense que juste avec les chiffres de l'ONE. Le transport ferroviaire, on l'augmente. Non, mais c'est que ce que je veux dire, c'est que oui, ça augmente automatiquement parce que si le port de Nouveau-Brunswick, qui eux, le ministre est. Puis Irving est assez fort là-bas aussi. Oui. Ils n'iront pas à la moitié de capacité de Kakuna, ils vont vouloir avoir la même. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plus de trains qui vont passer. Juste pour vous donner. Ça, c'est sans parler de BD Chaleur, oui. De Belle Dune, sans parler de tous les autres projets qui vont s'en venir. Parce que là, si Énergie S passe, oubliez ça, toutes les autres compagnies vont vouloir passer. Ils vont tous vouloir avoir leur part. Puis, il y a tout ça qui arrive. Mais juste l'Énergie S, lui, il va augmenter plus, oui, le débit, il faut qu'il remonte. J'ai parlé avec le maire de Saint-Ursule l'autre soir, puis ils ont tout dans la tête que ça va diminuer le transport ferroviaire. Oh. Non, c'est complètement. Comprends. Ils sont là-dessus, merde. Mais c'est ça. Je vais vous expliquer en deux phrases, c'est que le projet Keystone, le projet Northern Gateway et le projet Énergie S, mettons que c'est 1 million de barils chacun. Et là, il n'y en a aucun qui passe. Et il fallait qu'en 2020, les trois passent. Donc, si les trois ne passent pas, là, c'est le train qui a supplié pour à peu près pour l'équivalent d'un oléoduc. L'augmentation de capacité du rail là, a fait en sorte qu'on peut peut-être éviter un oléoduc. Mais les deux autres, il faut qu'ils se construisent. S'ils ne se construisent pas, c'est le rail. S'il y en a un qui se construit comme oléoduc Énergie S, ça semble être le seul ou celui qui semble passer à l'heure actuelle, eh bien, il va encore falloir l'équivalent d'un oléoduc qui va passer par rail. Parce que la production, la voie étant enclavée, elle continue à augmenter. Il faut que ça sorte. En fait, tout ça, c'est pour l'exportation. C'est pour l'exportation, parce que le Canada n'a pas besoin de l'OTAN, et puis le Québec, on en a déjà assez. Et le prix d'un sable de pétrole, le prix d'un baril coûte plus cher qu'un pétrole conventionnel. Ben, oui. Fait que si, en plus, vous en mettez dans votre réservoir d'auto, de 1, la facture à la pompe risque d'augmenter. Si j'y vois par logique, là, si je vois que ton coût de baril est plus cher, moi je me dis, par logique, là, j'ai travaillé en administration, donc, mais moi par logique, si mon coût de ma ressource matière première elle me coûte plus cher, j'en mets dans mon auto, là, mon prix risque d'augmenter. Mais même si on parle de offre et la demande, là, moi, ça, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Les marchés vont égaliser ça. S'il y a les marchés ouverts, si, mettons, il y a accès à la mer, tous les pétroles ont à peu de choses près, seront au même prix. Sauf que s'il y a des projets de règlement qui vont faire en sorte que notre projet, s'il est moins environnementalement vert, là, évidemment, il risque de coûter plus cher. Mais on n'en est pas là, loin de là. Mais s'il y a une taxe carbone, oui, très cher. Mais il y a une autre chose à ça, c'est que le coût de fabrication de... Oui, ça se peut que ça égalise, le marché s'égalise, mais n'empêche que s'il s'égalise, il ne va pas s'égaliser vers le bas. Il va s'égaliser pour arriver à un coût de production d'un sable de 2. Le baril va être déjà plus cher. Que notre facture, elle ne va pas se diminuer. Selon moi, j'y vais en estimation, là, mais économiquement parlant, moi, de ce que je regarde, je fais comme, je ne pense pas que ça a l'air diminuant. Puis en plus, on en rajoute sur rail, parce que lui, il allait avoir pompé dans votre auto, mais c'est parce que les autres ont quand même des besoins d'exportation. Fait que tout ce qu'on retire du pipeline, ben, il faut qu'il y en aille pareil, qu'il s'en aille au bateau d'exportation. Fait que ça va encore plus augmenter le train dans ce cas-là. Juste une question, oui, une question technique. Le diluant qui va être amené jusqu'au port, est-ce qu'il va être exporté dans les bateaux? Ou s'il va être retourné par train ou par je ne sais pas comment. Nous autres, on entend par train, hein? Les dilbits, ils viennent par train. Ils vont pas mais les bateaux, eux autres, ils n'ont pas besoin de diluer ce pétrole-là pour le transporter. Disons que la raffinerie, il y a déjà. Ça dépend si l'exportation elle est directe ou si elle passe à la raffinerie. Okay. Si c'est à Saint-Jean de Nouveau-Brunswick, je n'ai pas de crainte, ils vont
va faire ce qu'il y a à faire. Mais s'il y avait un port comme okay. À Trois-Rivières, où on n'a pas de raffinage, ben là, c'est sûr que là, on va le tirer. Il nous reviendrait d'une manière ou d'une autre, mais ça nous coûterait cher. Fait que par rapport à l'approche, donc c'est 5 copies chaque qu'on demande. Puis pour les recueillir, ben c'est du cas par cas. Là. Moi, j'ai eu des gens, j'ai des contacts qui, chacune des coins, parce que la Naudière, comme la Mauricie, c'est grand. Là. Fait que je voulais pas avoir à me déplacer à tous les lieux. Mais c'est ça. J'ai eu des points de contact qu'ils ont ramassés, puis maintenant on les a amenés. Puis quand ils venaient le temps de faire la dépôt des demandes de participation, ben on a préparé tout ça pour la demande de participation sur un fichier Excel. Est-ce qu'il y a d'autres questions juste sur l'approche pour l'approche des propriétaires? Oui? Oui, effectivement, là, c'est dossier-là. Est-ce qu'ils sont disponibles quelque part électroniquement? Là? Oui, bien c'est ça, je vais les envoyer, je les pas fait. Mais c'est ça, sinon Marc aussi, je pense qu'on les a, mais oui, je vais les envoyer, parce que là, c'était juste de prendre le temps de... Je ne sais pas, dans ce dossier-là, c'est comme un partenariat avec le CQBE, mais moi, j'ai toujours considéré que c'était toi notre tête de fond du RDHQ, mais l'information, moi, je elle est peut-être quelque part, mais je ne l'ai pas. Non, mais je vais l'envoyer par courriel, ça, c'est pas un problème, mais Joyce, je vais te l'envoyer par courriel, puis OK. Mon idée, c'est quoi? Ah, OK, oui. Est-ce que ça aussi, on peut faire signer ça lors de la conférence juridique ou c'est tout dans le lieu? Vu que nous, on l'avait déjà distribué en 5 copies parce qu'on avait eu accès à une imprimante gratuite, fait qu'on l'avait déjà distribué à nos producteurs en 5 copies, ceux qu'on sait que ça passait dessus. Les autres, ceux qu'on savait que ça passait pas dessus, pour les sensibilisations, on a donné juste une copie. Mais on l'avait déjà envoyé, fait qu'on a eu qui nous sont venus, puis il y en a d'autres que ça a été par la suite qui a été fait. Mais la soirée même de la conférence, on n'a pas eu 50 mandats qui nous est tombé. Oui, c'est ça. Ça a été le suivi où les gens qui disaient « oui, ça m'intéresse, OK », puis après ça, ils nous rappellent ou, tu sais, puis il y a du bouche à oreille. « Oui, toi, tu fais partie de RHQ, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça », puis, tu sais, mais c'est ça. Il y a beaucoup de bouche à oreille que dans notre coin a été fait sur ce côté-là pour les ramasser. Mais, juste pour péter la balloune, mais le soir même, la conférence, on a eu 5-6 mandats qui sont arrivés, mais on avait déjà une dizaine en banque. Les autres se sont ajoutés en cours de route. Ce genre de mandat, ce n'est pas une pétition. Non, c'est vraiment un mandat. L'ONA, ça ne fait pas une pétition. Non. C'est ça. Il y a deux façons à l'ONA de se représenter. Fait que, ben là, en fait, pour l'approche, moi, je vais aller vers le mandat de l'ONA pour vous expliquer un peu le choix. Mais pour l'approche, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Marc, il faudrait expliquer le projet global, comme tu as dit brièvement. Je crois que le cultivateur, il ne peut pas courir avec l'agriculteur. Il faut arriver brièvement à 3-4 minutes, faire montrer un document plastifié couleur, un point, qui fait professionnel, et qui ont décrit c'est quoi le grosso modo du projet. Et après ça, tu augmentes l'augmentation des transports, tout ça. Il faut qu'il y ait un portrait global en 5 minutes, et soit comme. Sinon, ça ne fait pas professionnel, on a le vide. Même moi, je ne sais pas. Il faut en parler avec le poids chez nous. Patrick, tu vas mettre, est-ce que tu parles quoi de demain? Sinon, il faut faire une formation. Oui, mais il faut se dire de quoi tu arrives, tu trouves un bout de couvert couleur, tu regardes, savez-vous c'est quoi le problème? Je te l'explique brièvement. Là, il ne peut pas faire autrement qu'à Marquis. Nous, on a un projet de dépliant en route. Là. C'est ça. Il est bientôt disponible. Juste pour vous dire, avec nous, quand on avait remis là, les documents plus les mandats, l'information propriétaire avec les mandats, on avait le rendu qui nous faisait un office de portfolio. Fait quand on ne leur parlait pas, au moins, il y avait de la documentation à lire sur le projet pour être sensibilisé. C'est sûr que je pense que ce document-là n'est pas obsolète, mais pas loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. On a eu la Gazette de Mauricie quand même, on a mis pour 4 pages la Gazette de Mauricie. Oui, on l'avait ramassée. On
mais on en a encore des copies, j'espère. Mais expliquez pour le verre, là. Mais juste vous dire, ça, elle avait fait un portfolio, puis je pense que tu sais, ça avait déjà été porteur, parce que quand que nous, on ne peut pas leur parler nécessairement, au moins, ils ont de l'information de base. Puis dans l'invitation, ben, moi, j'avais profité pour mettre les principaux points qui vont toucher un producteur, sur c'est quoi qui va le toucher, pour l'emmener justement à arriver à lire l'information de propriétaire, puis de venir s'informer c'est quoi. C'est rapide, c'est dans le contexte, c'est direct, ça peut être clair. Faut que ça se fait dans le journal 30 secondes. Moi, là, en administration, quand il y a une présentation à faire à l'IVC, il faut que ce soit 30 secondes. Tu as jamais deux chambres de faire une première impression. Ben, dans ce projet-là, oui, parce que les gens, ils n'entendent parler, mais, tu sais, il faut déjà trouver les points. OK. Si on veut crier au secours, pour nous appeler, pourquoi appeler, ils sont pas là. Ah, je les ai pas mis? Non, ben, il y a Marc, il y a Joyce, mon numéro de téléphone est disponible. C'est sûr que moi, je travaille dans le jour, puis vous avez que j'ai deux enfants. Mais non, c'est parce que je dis, je réponds, c'est ça, c'est faux. Mais je réponds, tu sais, je répondrai pas au téléphone. C'est juste ça, je veux dire. Il y a des bonnes chances pour vous attraper ma boîte vocale. C'est juste ça. Mais oui. Oui, oui, pour toute question, c'est sûr, si vous voulez que je revienne, parce qu'il y a d'autres questions, c'est aussi. Je peux revenir, là. Moi, c'est sûr que plus qu'on a demandé auprès de nos livres, plus notre force de frappe est forte. Parce que déjà de dire qu'en ce moment, là, on a 138 mandats de ramasser. Là, ça, ça change ce chiffre-là. Mandé, c'était 800, en haut de 800. Wow. Mais il y en a qui me disent, oui, mais c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est dans trois régions. On a juste eu trois régions. Puis, c'est déjà beaucoup de ramasser parce que, tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde, on reste tous chez nous. Mais c'est la même chose pour les propriétaires de rien. Pour le Québec. Mais non, mais c'est plus que ça. Mais ça, je veux le valider parce qu'il y a des noms qui ont circulé. Mais c'est pas 1200. Non, c'est 2000 au Canada. C'est ça, c'est 2000 au Canada. 2000 au Canada. Mais c'est aussi. Il en ce moment, là, au Québec, est-ce qu'on a des vrais chiffres? C'est qui les a? Est-ce que c'est tout proche chez nous? C'est qui les a? Ils sont où? Je sais pas. Les vrais, parce que. Ils sont là, c'est pas mal tous des estimés. Puis vu que le projet change, mais il bouge, on n'est jamais sûr. On va appeler Karine, elle va nous dire. Ben, c'est ça. C'est là mon prochain étape, ça serait d'appeler Karine, mais j'ai vu d'autres affaires. Tu sais, c'est ça, j'ai vu d'autres chiffres. Fait que. Okay, mais ça, c'est mais 138, je trouve que c'est vraiment bon, même s'il y en a qui disent que c'est pas beaucoup. C'est quand même 138 personnes qui veulent se présenter à l'OB. Donc, c'est on pas a... des intervenants, là, parce que des participants. Ben, nous, c'est des mandats. Des mandats, non, c'est ça. C'est ça, on représente 138 propriétaires. Et 10 copies signées. C'est beaucoup. Oui, moi, je suis très contente de ça. La liste, félicitations. Comment? La liste en PDF des propriétaires. C'est nous qui l'avons. Où est-ce qu'on va la... La CPDF. C'est PDF. C'est de la CPDF. Joyce, moi, je sais que je ne l'ai pas envoyé. Je vais l'envoyer le lien, là. Je l'avais... Fait que ça va s'écrire là, après, pas explicatif. C'est juste sur nos idées. C'est juste sur mais vous êtes très chanceux d'avoir des listes comme ça, je vous avoue, parce que c'est difficile d'avoir des... Ça se peut que ça soit juste une liste. Oui, mais il y a pas de liste. C'est par municipalité. Ouais. Il faut aller sur chaque municipalité. Il y a pas de liste. Exact. Mais ça, c'est juste comme moi, mon gars devrait être là-dedans. Ça doit être facile à municipalité. Municipalité. Non, c'est ça, je ne suis pas dedans, mais en principe... OK. Pour l'ONI,